Allons observer ensemble un tardigrade, si nous arrivons à en trouver bien sûr. Pour ça, nous allons presser de la mousse dans laquelle il se cache et observer l'eau recueillie. Après plusieurs dizaines de minutes de recherche, en voilà finalement un. Ce que vous voyez là, c'est à la loupe binoculaire et je vous propose de passer au microscope. Allons-y. Voici, les amis, un tardigrade, aussi appelé ourson d'eau. Il est magnifique et bouge partout. Excellent. Cette petite bestiole mesure en moyenne moins d'un millimètre et est invisible à l'œil nu. Quoi, vous ne voyez pas assez bien? Rapprochons-nous. Voilà, il existe plus d'un millier d'espèces de tardigrades et son cousin des arthropodes, donc crustacés, arachnides, mille pattes, etc. Ils aiment vivre dans les mousses, mais on peut trouver des tardigrades un petit peu partout sur la planète. Quoi, encore plus proche? Pas de problème. Il possède 8 pattes, et non, ce n'est pas un arachnide de bande de fous. Ses pattes ne sont d'ailleurs pas articulées. Ils se nourrissent de petits végétaux, mais peuvent également percer la peau de nématodes pour aspirer leurs fluides corporels. Voilà un nématode. Nous en avons filmé également, et ça va arriver. Bientôt. Excellent. Les tardigrades ont la fascinante possibilité de rentrer en état de cryptobiose, un état de vie ralenti où ils se vident de leur eau. De ce fait, ils peuvent résister à des chaleurs de plus de 150 degrés ou à l'inverse, moins 273 degrés. Survivre au vide de l'espace, des pressions énormes ou encore à de très fortes irradiations. Exemple, des tardigrades ont été collectés dans des mousses en Antarctique, ensuite congelés depuis le 6 novembre 1983 et réanimés 31 ans plus tard. Devinez quoi? Oui, ils ont survécu. Ah bah oui. Et encore une fois, lors d'une mission spatiale, des tardigrades ont été exposés au vide de l'espace. Plusieurs d'entre eux ont évidemment survécu. Comme vous pouvez le voir, le tardigrade est une petite bestiole extrêmement étonnante et intéressante et qui, j'espère, vous fascine autant que moi. Personnellement, en tout cas, je l'adore. Et dans tous les cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous, ici, paf. Ne pas oublier également de mettre un pouce en l'air si vous aimez les tardigrades, c'est très important. Et de me laisser dans les commentaires ce que vous souhaitez voir pour la prochaine observation microscopique. Le nématode ou de petites méduses. A très bientôt car la science n'attend pas.